J'ai lu dans le journal d'aujourd'hui que deux enfants d'Ormingen, deux jeunes qui s'étaient enfuis de la prison d'Ormingen, ont voulu vivre l'aventure. Mais ces deux jeunes avaient volé pour aller passer leur week-end d'enfants évadés de la prison d'Ormingen, avaient volé une voiture. Allô, à tous les services, à tous les postes de police, une DS couleur grise numéro 5008MM est signalée volée par deux jeunes évadés de Ormingen. Je répète, DS couleur grise 5008MM, attention, à l'intérieur, deux jeunes évadés de Ormingen. Ils ont dansé jusqu'au matin, les deux enfants d'Ormingen, en se disant une nuit de moins qu'en cellule à Ormingen. C'est toujours mieux, je vous assure, car en prison on est tout frais, bien qu'il reste deux mois à peine pour retrouver la liberté. Mais nous on a ça dans les veines et l'on préfère la nature. Allô, allô, à tous les services, à tous les postes de police. La voiture signalée volée DS couleur grise 5008MM par deux jeunes évadés de Ormingen vient d'être repérée devant le cabaret Embassy. Ils en sortent. Nous sommes en train de défiler. Ils ne sont pas allés bien loin, les deux enfants de Ormingen. Il y avait partout dans tous les coins des phares, des flics et des sirènes. Et là soudain stop, un barrage. Ils ont voulu passer quand même, ils ont foncé droit devant eux. Un gendarme a tiré sur eux, un gosse de 18 ans à peine a dit c'est la fin du voyage. Service, à tous les postes de police, la voiture signalée volée numéro 5008NN par deux jeunes évadés de Ormingen vient d'être enfin récupérée. Mais en tentant de s'enfuir, l'un des deux jeunes évadés n'a été que blessé tandis que l'autre, touché au thorax et à l'abdomen, a succombé à ses blessures. Il s'agit de Jean-Claude L., 18 ans, de la mûre. Dans 8 semaines, il aurait été libre. Ô prison noire de mes vieux jours, que tant d'autres haïront toujours. Tu n'es pour moi qu'une ombre austère dont je ne sais vraiment que faire. Quand tes portes se sont fermées sur ma solitude glacée, je venais de tuer mon frère. Les juges m'ont bien retourné. Ils m'ont donné perpétuité. Des nuits et des nuits ont passé. Un jour, il est venu me visiter un homme qui m'a parlé de liberté. Liberté à moi, qui ai plusieurs fois tenté de fuir. Mais j'avais rien, rien à lui dire. Et puis soudain, dans mon cœur vide, j'ai senti monter la hantise de me retrouver seul demain dans ma cellule aux quatre coins. Et j'ai crié, oui, j'ai crié. Il faut...
ta mère. Il mio coraggio, che mi importa se c'è lui, se ci scopre tanto peggio, o ti perdono se ne va. Dei tuoi capricci sono stanco e non vivo senza te, ma voglio averti per me solo, qui tra la gente stretta a me. Senza che tu pensi a lui, non voglio più come un amante rubare i baci tuoi che sono suoi, come i ladri nella notte ci incontriamo dove vuoi, con il cuore che mi batte, tra le mie braccia stringo te, ma tu mi tieni di riserva, hai paura di lasciare chi ti fa comoda la vita per un ragazzo come me. Ti voglio amare senza nasconderci più, senza che tu pensi a lui, non voglio più come un amante rubare i baci tuoi che sono suoi. È un amore clandestino, non è quello che sognai, è un oscuro labirinto di cui non posso uscire mai. Ho raccolto il mio coraggio, e che mi importa se c'è lui, che mi importa di impazzire, non t'amo più, non t'amo più.